Re-salut tout le monde. On revient sur Might and Magic 8 pour faire un peu un jeu avec quelque chose de vivant. Parce que franchement, je viens de passer cette heure absolument horrible du début de l'acte 2 de Tyranny. Et j'avoue que j'en ai ma claque de lire et de lire et de la parlotte et du blabla et de tout ça, tout ça. Donc là, on est dans le temple de la lumière et c'est notre ami Dyson Leland qui va nous indiquer où se trouve l'objet qu'il nous faut et de toute évidence ça va être là-dessous. Mais quelque part il y a forcément un interrupteur. Où est-il? Logiquement, il apparaît sur le mur. On le voit, genre il y a une petite truc rouge sur le mur. Là-bas. Vous voyez, ici? Voilà. On descend. Bah déjà on ramasse le pognon par terre, hein, même si on a déjà beaucoup d'or, bon voilà. Ensuite, hop, voilà, le brasier est à nous. Et la liche, bah tu retournes à Shadow Spire. Hein. Et on va ramener ça. Nightshade Brazier. Cette quête, c'est la plus facile des quêtes de l'Alliance. Logiquement, c'est tout, hein. Y a rien de plus à faire, hein. Juste à aller rendre la quête maintenant. Voudriez-vous bien vous pousser? Ok. En fait, pour voir le truc rouge dans le mur, il fallait absolument avoir Dyson Leland. Hein. Si vous ne l'aviez pas, vous ne pouviez pas voir le passage secret pour ouvrir le chemin vers le brasier. C'est pour ça qu'il fallait le prendre avec nous. Pas pour le reste, parce que pour le reste, il ne représente aucun intérêt. Dyson Leland, il est niveau 15, non? Ok, donc voilà, on a ramené le brasier. Le seul avantage que le temple du soleil avait contre nous n'est plus. Avec ce brasier en notre possession, nous n'avons plus besoin de nous inquiéter des défenses de jour de Shadow Spire. Nous pouvons faire marcher nos morts-vivants vers leurs portes. Nous détruirons leur temple et les effacerons de la surface de Jadamé. Maintenant que le cours de la bataille a tourné en notre faveur, nous pouvons généreusement considérer la requête que vous nous avez présentée.
tante va aller sur place participer au conseil. Ok. Donc toi, tu ne nous intéresses pas. Et on va aller récupérer Blaze and Stormlands. À Ravenshore. Welcome, adventurer. Non, je vais juste voir un truc. Si on embauche Elsbeth Lamentia, ouais, son XP n'est pas mis à jour en fait. D'accord. Welcome, adventurer. Bon, oui, on attend ce qu'on veut. De toute façon, c'est Blazen Stormlands. On a un vrai bon groupe là. Du coup, logiquement, c'est bon pour les quêtes de l'Alliance. Ce fut bref, hein. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle soit faite, l'Alliance, hein. Moi, sur ce jeu, ça avance très 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 vite. Maintenant, il va falloir faire les quêtes pour aller à Regna, si je ne dis pas de bêtises. Et après, on pourra s'attaquer au cristal. Donc, aux 4 mondes élémentaires pour aller dans le cristal. Vous devez former une alliance pour stand-aside, machin, six support. Ah bah non, c'est pas validé. Ah bah non. Oui, on n'a pas fini avec les dragons. Suis-je bête? Il faut qu'on aille dans la forteresse des ogres. Ah. Paysan Minotaure. Moi j'aurais appelé ça une vache, quoi. Lui c'est un vrai minotaure, l'autre c'est une vache, je suis désolé. Ok, on se casse. Alors, ce me semble que oui, effectivement, la forteresse de Zog, elle est là au nord. On va y aller et on va essayer de récupérer tout ça. Alors, test of luck. Oh, j'ai gagné 7 skill points. One again. Body magic. Ah, c'est chaque personnage qui joue en fait. Donc, le monde de l'eau, on ira plus tard. Ce sera le monde le plus facile. Alors, bon, l'ogre mage, il a fait paf. C'est histoire de paf l'ogre. J'ai souvenir que ce donjon n'est pas extrêmement grand, mais bon. C'est toujours un donjon carré, quoi. Avec un grand couloir qui fait le tour. Et à chaque coin, vous avez une petite plateforme avec des ennemis. Mec, je sais pas ce que tu voulais dans la vie, mais. Rester tout seul comme ça dans ton coin, c'était pas une option très intelligente.
la voilà. L'endroit par où on va aller chez Zog. Pour récupérer l'œuf. Ah, ça vache, hein. Ça bâche. Very weak. Very weak. Very weak. Vous avez quoi, tous comme chapeau? Toi, t'as même pas de casque, hein. Donc, s'il te plaît, tu mets ça, quoi. Cassons les dents à tous ces ogres et ces mercenaires. Cassons les dents à tous ces gens. Ah, mais c'est Zog. Ouais, mais Zog, t'es mort. T'as 42 gold, c'est tout Zog. C'est quoi cette blague? T'as une forteresse à toi tout seul, mais tu te balades avec 40 pièces d'or, quoi. Are you fucking kidding me, quoi? Very weak. Very weak. Il y a quelque chose là derrière, je le vois, je le vois, qu'il y a quelque chose là. Ah, il y a un bouton là, les gars. Dites pas que c'est pas vrai. Et là, il y a du stuff, hein. Oh, ça, c'est fat, bordel. Powerful this is. J'adore ce côté Yoda, quoi. Vraiment. Enchante ces bottes avant de les mettre, mec. L'œuf de dragon. Nous pouvons donc aller à Garrote George. Alors par où qu'on remonte maintenant dans ce bordel? Ah, c'était relativement violent quand même, hein, comme truc. Hein. Imaginez le nombre d'heures qu'il aurait fallu sur Tyrannie pour tuer autant de monstres. Je crois que même en 150 heures, vous en tuerez pas autant là sur Tyrannie. Voilà, bon. Zou. Casser tous ces gens parce que vraiment aucun intérêt. Bon, ciao les noobs, on se barre. Je sais, il y a la crypte de Corbou, tout ça, mais. On va peut-être faire. Ouais, mais il y a aussi après les fromages, quoi, tout ça. On va voir si on peut trouver. Je pense que c'est là la crypte de Corbou ou des wyvernes. J'aime pas ça. Saloperie, c'est les wyvernes. Alors. Ouais, ça n'a pas l'air très sympatoche ici. Oh, des effrites. Oh, bordel. Toi, t'as pas protection contre le feu, je suis sûr. Si. Bon, on va en avoir besoin. Alors, ce qui est bien, c'est que le dragon, il fait ses dégâts, hein, contre les effrites. Effrity Lord. Oh, ça, c'est du sale mob, ça. Là, il y a du donjon au niveau, là, par contre. Oh, là, oui, il y a du donjon au niveau, les gars.
Là, il y a du sale mob vraiment balèze. Oh la vache, mais ils sont combien les effrites ici? À cet endroit, c'est pas facile, hein. Non, là, je peux pas rester comme ça au cac avec autant d'effrites, là. Ça va pas être possible, là, par contre. Là, on est vraiment sur du donjon high level. Là, c'est plus du donjon de débutant, là. Oh la vache. Ça cartonne, hein. Toi, je suis pas quitté, mais tu vas claquer parce que tu commences à me saouler là. Alors, il y a eu masse loot là. Il y a masse loot. Ça me gêne moins que les effrites là tout de suite. Ça tout de suite, ça me gêne vraiment beaucoup moins là. Bon, apparemment on a vidé. Si c'est de sarcophage, oui, ça va être assez casse-couille. Épée de champion, very weak. Soit t'es very con. C'est quoi, c'est de la plaque? Ouais, elle est jolie. Alors c'est quoi ce journal scrap? My brethren, nous sommes dans la crypte de Corbou. Je n'ai rien trouvé que la tragédie. Corbou est mort. Peut-être qu'il n'avait plus la volonté de se nourrir sur les autres. Les Naga gardiens ont infesté la crypte et atteindre Corbou a été extrêmement difficile. À la place de réponses, je me retrouve confronté avec plus de questions. Pourquoi Corbou a-t-il accepté sa propre mort au lieu de prendre la vie de quelqu'un d'autre pour survivre? Le plus grand de notre race n'est plus rien qu'un tas d'os et de poussière. Je ramènerai ses restes à nos anciens. Peut-être qu'ils trouveront les réponses que je n'ai pas su trouver. Voilà, c'était donc la quête de sens. De Gaston. Ne me demandez pas qui était Gaston, c'est un mec sans aucune importance. Et maintenant, j'ai mon inventaire qui est totalement pourri par ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va sortir et puis on va essayer d'aller quand même vers Garo George. Et puis il faudra qu'on finisse Corbou parce que je vais pas me balader ça avec oui, avec ce sarcophage plein là.
Salut Gouverne, vous m'excusez, j'ai pas envie de rester là. Vous ne m'êtes pas très sympathique, les Gouverne. Alors, gare au George. Ah donc les Dragon Slayer ils sont revenus. Et apparemment ils me font pas la gueule. Sont pas rancuniers les mecs. Ils sont pas rancuniers les gars, moi je vous le dis. C'est un peu ridicule quand même ce côté. Alors j'espère qu'il va pas falloir que je les retue tous, sinon ça va me saouler. Alors, descendons dans le tréfonds de la grotte des dragons avec notre grand Wyrm, qui est grand maître de Dragon Ability, qui a 18 en Dragon Ability. Mais il va continuer à monter parce que plus il tapera fort, mieux ce sera. En plus, sa classe d'armure dépend de de Dragon Ability. Maintenant que je n'ai plus besoin de craindre la destruction de mon héritier, je pourrai m'occuper de ma revanche sur Kixot. Son camp va connaître l'assaut des feux et des griffes. Quant à votre alliance, vous m'avez rendu un grand service, j'honorerai ma dette. Alors, je rejoindrai votre alliance à Ravenshore. Logiquement, du coup, c'est bon pour l'alliance. On va pouvoir passer au conseil. Alors, vous remarquerez que je m'occupe pas forcément de faire tous les level up que je peux. C'est un jeu qui est franchement très facile. Donc, il n'y a pourtant pas de raison de level up dès qu'on peut. Très bien. Vous avez réussi à apporter 3 partenaires dans l'alliance, le nombre minimum qui m'a été rapporté par mes conseillers. Pour remplir la partie, Jadame doit être uni. Vous devez aller à Ravenshore et rencontrer les conseillers, bla bla bla. Eh bien, allons à Ravenshore. Je crois que c'est dans cette partie-là de la maison de la guilde. Finalement non, je crois pas que ce soit là. Non, finalement je ne crois pas. Ah oui, non c'est... C'est une architecture très bizarre. Mais bon. Salut, chef des dragons. Alors, aller à Regna n'est pas un challenge facile. Raid des pirates. Les Regnans ont construit un outpost sur l'une des îles de Daggerwound. Ils pourraient attaquer Ravenshore. Si ça arrive, nous devrons évacuer la ville.
quand on pense au régnant, la phrase maître de la magie n'est pas celle qui vient normalement à l'esprit. Mais je vous préviens, les pirates régnants ont aussi leurs magiciens. Alors, dans les premières heures de notre premier meeting, un événement particulièrement délicat s'est particulièrement fortuit est arrivé. Nous avons été contactés par un grand sage, Xanthor, de la cour des Iron Fist d'Enros. En utilisant sa grande magie, il a projeté son image dans cette chambre. Lui, Roland et Catherine Iron Fist sont sur la mer, vers nos îles, vers nos côtes. Étaient en tout cas vers nos côtes lorsque les cataclysmes se sont produits. Ils ont survécu aux tempêtes et ils voudraient maintenant accoster à Ravenshore pour aider l'Alliance. Malheureusement, ils sont bloqués par une flotte de pirates régnants. Nous devons les aider. Les Régnants sont la pire engeance de blablabla. Nos sources croient que la flotte principale de Régnant est dans un port caché quelque part sur l'île de Regna. Si vous pouviez couler cette flotte, vous pourriez grandement handicaper leur capacité à faire des patrouilles sur la mer. Breki Xuanfang a eu un message, nous a envoyé un message, comme quoi les Régnants ont construit un avant-poste sur un atoll proche de l'île de la plaie de la Dague. Ils pensent que cet avant-poste est fourni ravitaillé par un moyen mystérieux. Ces éclaireurs ne voient jamais de bateau arriver. Vous devez trouver ce qui se passe et aider les machins. Voilà, vous devez couler cette flotte Regnan. Ok, bah donc on va aller s'occuper de ça. Et donc ce sera à Daggerwound Island. Mais peut-être qu'avant d'aller à Daggerwound, on va quand même se payer le luxe de faire des level-ups parce qu'on a des level-ups à gagner là. Et on en a quelques-uns, donc on va juste aller Shadow Spire. Et là, ça fera 30 minutes. Il est quasiment 1h du matin. Oui, à 7h45 je bosse, donc ouais, va peut-être falloir aller au lit quand même. Ça aurait été une soirée productive sur Might and Magic 8, hein, on aura vraiment avancé. Bon, deux niveaux pour tout le monde, c'est très bien hein, à ce niveau-là. Toi, on va te donner quoi, mon pote? On va passer comme expert en laser. Toi, on va rien toucher. Toi, Dag, et toi, Arms Master. Voilà. Et donc, nous allons sur Daggerwound Island. Oui, voilà. Et on va s'arrêter là pour ce soir. On cherchera l'avant-poste des Régnants. Probablement sur l'île au sud, parce que je vois pas où ça pourrait être ailleurs. Ma foi. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Soit vendredi pour enregistrer une heure et demie de vidéo. Et après, on attendra 10 jours. Donc, à vendredi les gens. Ciao.